La tournée de proximité du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à l'intérieur du pays a atteint son point culminant à Bukavu. Sur les 35 km de route qui séparent l'aéroport de Kavumu au centre-ville de Bukavu, le cortège impressionnant du chef de l'État ne passe pas inaperçu. Une population enthousiasmée massée le long du trajet oblige Joseph Kabila Kabange à s'arrêter afin de communier à l'unisson pour ses nouveaux engagements vers la paix. Vraiment, tu la fourrais ça, vraiment. Pour la traition de la Congo, tu la fourrais et tu la sars. Alors, c'est un bisou, c'est la maman, va que la vache n'est pas de taille. Laissez ton la voir, c'est à mon âge, alors que la maman, tu vois. Lâche pour nous, c'est la salle, la vie, ça va nous dans les semaines. Ainsi, sur les instances de la population, le cortège marque trois arrêts importants. À Kavumu Centre, au village Miti et à Mudaka. Poursuivant son trajet, le chef de l'État va atteindre le point le plus chaud. L'émotion est grande. Joseph Kabila Kabange est accueilli triomphalement dans sa province natale du Sud Kivu. Son mariage à Bukavu demeure parfait. Rouge. La jeunesse du Sud Kivu, habillée en costume, comme pour dire « Nous ne voulons plus de tenues de guerre », tenant en main des flambeaux pour suivre le chemin de la paix sans retour, emprunté par l'éclaireur Joseph Kabila Kabange. Nous soutenons le chef de l'État dans sa nouvelle vision de la paix en harmonisant ses rapports bilatéraux avec les voisins de l'Est. La chaleur de cet accueil est symbole de l'adhésion de Bukavu au plan de paix mené des mains des maîtres par le chef de l'État. Situé à près de 128 km de la ville de Bukavu, le territoire d'Uvira a reçu la visite du chef de l'État Joseph Kabila Kabange le jeudi 19 mars 2009.
Sous une pluie battante aux heures de midi, le chef de l'État reprend le volant de sa 4x4 pour quitter la ville de Bukavu. Abordant l'avenue de l'ISP vers la commune de Kadutu, la zone la plus chaude de Bukavu, arrivée au rond-point Major Vangu, communément appelé rond-point essence, la population, bravant la pluie, poursuit le cortège du président de la République. Arborant de calicots avec des messages de soutien à 100% au plan de paix mené de main de maître par le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, la jeunesse de Kadutu ne s'est pas fait prier pour donner un cachet spécial au passage du cortège présidentiel. En route pour Uvira, Joseph Kabila Kabangé trouve là un bon moyen de dire au revoir aux habitants de Bukavu. À une vingtaine de kilomètres de Bukavu, à la hauteur du village Nyangezi, Joseph Kabila Kabangé est arrêté de nouveau par la population. Pour l'amour de son pays et par sa détermination à rebâtir le Congo, le chef de l'État va prendre le risque de passer par les escarpements de Ngomo. À la sortie des escarpements de Ngomo, le président de la République est accueilli par la population de la cité de Kamagnola avec une allégresse débordante. La population va l'accompagner jusqu'au pont Kamagnola. Accompagné par le gouverneur du Sud Kivu, Maître Louis-Léonce Moudéroy, le chef de l'État va faire son entrée à Uvira, chef-lieu du territoire qui porte le même nom par le quartier Kavivira, où l'attendait une grande marée humaine.